Opération publicitaire en cours devant un cinéma parisien. Bonjour mademoiselle, nouvelle carte. Louise. Bonjour, nouvelle carte. Et Thibault distribuent des tracts pour une nouvelle carte bancaire. Leur cible, des jeunes comme eux, âgés de 16 à 24 ans. Vous êtes étudiant ? Oui, en licence professionnelle, en troisième année. Enfin, je vais commencer ma troisième année en octobre. Grâce à ce job d'étudiant, il va gagner 65 euros cet après-midi-là. De quoi arrondir ses fins de mois. Il n'y a pas de jeunes. En revanche, pour Louise, c'est bien plus qu'un petit boulot occasionnel. Vous êtes étudiante ? Ah non, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. C'est-à-dire ? Je suis jeune diplômée et ça fait 2 ans que je cherche un emploi. Donc en attendant de trouver un vrai emploi, je fais ce que je peux. Louise Duchemin, 24 ans, a fait ses études dans une école de communication. Elle pensait trouver facilement du travail grâce à ce diplôme. Elle a vite déchanté. Malgré son bac plus 5, elle galère. On va aller voir Polo. Polo, c'est qui ? C'est Pôle emploi. La jeune femme a beau en parler avec humour, c'est tout de même sur ce site qu'elle espère chaque jour trouver de nouvelles offres d'emploi. Mais la difficulté, c'est que son domaine, l'événementiel, a pris la crise de plein fouet. Il y a donc très peu d'offres, alors que de plus en plus de diplômés sortent chaque année des écoles. Moi, pendant longtemps, je me suis un peu rangé les seins en me disant « Mais je trouverai jamais. Je trouverai jamais, je suis pas assez bonne. » Alors qu'il faut accepter que ça vienne pas forcément de nous, mais des employeurs et surtout de la situation actuelle. Dans l'impasse pour l'instant, Louise commence déjà à réfléchir à une reconversion dans un domaine moins bouché. Mais elle se donne encore quelques mois. En France, les moins de 25 ans ont du mal à se faire ouvrir les portes du marché du travail. Le phénomène n'est pas nouveau, mais depuis 2008, il ne cesse de s'aggraver. Les jeunes sont les premières victimes de la crise. Leur taux de chômage s'élève à 22%, soit plus du double de la moyenne nationale. Pour eux, le monde de l'entreprise devient de plus en plus dur à pénétrer. Il y a beaucoup de candidats, beaucoup avec de l'expérience, donc on passe après. Savoir se vendre, savoir être compétent, faut pas se décourager. Pourquoi les moins de 25 ans ont-ils de plus en plus de difficultés à trouver du travail? Comment les employeurs ont-ils durci leurs critères de sélection? Jusqu'où vont désormais leurs exigences dans leur quête du candidat idéal? Pour les jeunes, sur le marché du travail, le principal problème, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Du coup, les entreprises peuvent désormais se permettre d'être beaucoup plus exigeantes. C'est notamment le cas chez SFR. Cet opérateur de télécommunications a annoncé 550 recrutements pour cette année. Conséquence, l'entreprise est submergée de candidatures. Plus de 35 000 personnes ont déjà postulé. Au siège du groupe, voici l'un de ces heureux élus. Ça va, Olivier ? Henri Maignon, 24 ans. Diplômé d'une école de commerce, il a profité de cette soudaine embellie. Le jeune homme a été embauché comme acheteur de logiciels il y a quelques mois, juste à sa sortie d'école. C'est du matériel avec des différents codes, j'aimerais bien voir ça avec toi. J'ai vraiment le sentiment d'être chanceux puisqu'aujourd'hui j'ai un métier qui me plaît, qui correspond à mon profil puisque j'allie les compétences en informatique et dans les achats. Et à ce titre, par rapport à ce que j'ai pu observer de mes camarades, j'ai eu une vraie belle opportunité. Une opportunité qu'il ne fallait pas rater. Car aujourd'hui, même avec les meilleurs diplômes, il est bien difficile de se distinguer parmi des dizaines de candidats. Les entreprises n'ont que l'embarras du choix. Ok. Eh bien, je vous remercie, Rudy. Bonne fin de soirée. Au revoir. À tel point que les recruteurs ont totalement revu leurs critères de sélection. Chez SFR, Sylvia Warner s'occupe du recrutement pour les services informatiques.
D'ici la fin de l'année, elle doit embaucher 50 personnes, dont 2/3 de jeunes diplômés. En moyenne ici, elle reçoit 40 candidatures par poste. Alors, le premier tri, il se fait vite et sur CV. J'ai reçu des candidatures spontanées la semaine dernière. Ce jour-là, elle commence avec ce manager des recherches pour un chef de projet junior. Ils vont examiner les premiers CV reçus. Ils sont en apprentissage actuellement chez SFR. Tu recherches quelqu'un qui maîtrise l'environnement technique SI? Je ne cherche pas un expert. D'accord. Je cherche quelqu'un qui ait une culture technique. Mais au fond, ce fameux curriculum vitae ne leur apporte pas grand-chose. Car si le diplôme était l'élément essentiel dans la sélection il y a 10 ans, aujourd'hui, la majorité des candidats étant diplômés, même le fait de sortir d'une des plus grandes écoles d'ingénieurs ne les intéresse plus vraiment. Domaine de compétences. Je prends cet exemple-là, il est ingénieur Supélec. Voilà, c'est très généraliste. Ça ne vous apporte pas grand-chose, le diplôme, comme information? Non. Le diplôme ne fait pas la personne, donc ce qui va vraiment nous donner une information sur ce que le jeune diplômé sait faire, c'est vraiment ses stages et ses premières expériences professionnelles. Donc on dit quoi pour lui? De nos jours, ce qui compte plus que tout, ce sont donc les expériences professionnelles. Mais ce n'est pas tout. Les recruteurs accordent aussi beaucoup d'attention aux informations plus personnelles. Ça, j'en fais pas chez moi, donc c'est pareil. J'aime bien regarder quand même les activités extra-professionnelles quand elles sont présentes. Pourquoi? Parce que ça donne une indication de la curiosité, de la là, richesse. Là, par exemple, sur le CV que vous avez sous les yeux, qu'est-ce qui... Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui fait du sport. Il a quand même beaucoup de loisirs, donc il fait de la musique. Et même un détail très anecdotique en apparence peut permettre à un candidat de sortir du lot. Assez intéressant, je pense, quelqu'un de cultivé, puisqu'il a participé et il a été sélectionné pour l'émission Question pour un champion. Et ça, vous vous dites que c'est intéressant, ou... c'est anecdotique. Assez intéressant. Anecdotique, mais en même temps, vous vous dites que ça peut être intéressant. Totalement. Donc des petites choses comme ça peuvent parfois... faire la différence, oui. Super. À l'issue de cette première sélection sur papier, en moyenne, 80% des postulants sont écartés. Pour les quelques candidats retenus, le vrai processus de recrutement peut enfin commencer. Sylvia Warner a convoqué Nadia ce jour-là. Une jeune fille de 21 ans, très brillante d'après son CV. Bac obtenu à seulement 16 ans et déjà 5 années d'études supérieures derrière elle. Ce jour-là, elle espère décrocher un poste de chef de projet. Mais encore faut-il qu'elle réussisse l'entretien d'embauche. Alors, je vous explique un peu comment on va procéder. L'idée, c'est vraiment que vous soyez à l'aise, que l'on puisse faire connaissance. Moi, pour ne pas compliquer sa recherche d'emploi, la jeune femme a préféré témoigner à visage caché, comme tous les autres jeunes diplômés que nous rencontrerons par la suite. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Vous êtes recrutée? Le ton de ce premier entretien est détendu. La jeune fille va rapidement mettre en valeur ses différents atouts. Évoluer professionnellement. D'accord. En tant que jeune diplômée, avec mon expérience que j'ai, je souhaite tout d'abord évoluer et prendre plus d'expérience et de compétences et technologies. Vous savez, la recruteuse cherche aussi à cerner la motivation de la candidate pour le poste. Aujourd'hui, vous habitez à Lyon, c'est ça? Oui. Travailler sur Paris, ça vous pose pas de problème? Ça me passe du moment que c'est sur mes objectifs et sur mes ambitions. Donc, d'accord. Je suis encore jeune, donc je peux me déplacer. Vous êtes prête à déménager? Oui. Au bout d'une heure, la candidate semble avoir réussi l'épreuve sans difficulté. Elle est visiblement optimiste. Par rapport aux questions, pas trop déstabilisées, c'était à peu près... Non, je me sentais à l'aise, donc elle m'a mis à l'aise. Les questions, c'était comme toutes les questions des recruteurs. Plutôt confiante. Oui. Mais tout va basculer. Bonjour. Je vous présente Valérie Mercier, manager. Car un deuxième entretien l'attend dans la foulée.
Cette fois-ci, son interlocutrice, c'est sa future chef de service. Les questions vont être bien plus perturbantes, car plus concrètes. Alors, si je vous demandais un petit peu ce que vous avez compris du poste. Il y a le premier point, c'est l'élaboration des besoins, des fiches, des... La jeune femme semble soudain très confuse. L'élaboration des besoins... Visiblement déstabilisée, elle ne trouve plus ses mots. Alors, je vais vous reparler un peu du poste, parce qu'a priori, vous l'avez pas trop en tête. Valérie Mercier va ensuite lui proposer un cas pratique pour tester sa réactivité. D'accord, donc c'est tout ce qui est déploiement et mise en production. Si je vous dis que vous êtes leader, vous êtes chez SFR, vous êtes leader sur un projet dans votre direction, sauf que, malheureusement, votre projet n'est pas prioritaire par rapport à la globalité. Qu'est-ce que vous faites pour faire avancer votre projet ? Tout d'abord, en tant que chef de projet, il faut déjà faire une réunion pour voir les idées des autres personnes, s'il y a des idées innovantes pour mettre en valeur encore plus. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. L'idée, c'est que vous êtes chef d'un projet. Là encore, ce sera laborieux. D'accord. Certes, la jeune femme a de solides connaissances techniques, mais aux yeux de la manager, c'est, semble-t-il, encore insuffisant. Je l'ai trouvée un peu brouillonne, hein. Donc a beaucoup, effectivement, beaucoup se raccrocher à ce qu'elle connaissait, donc le technique. Il me manque un petit peu de synthèse, c'est bien, mais c'est pas le coup de cœur. Donc je vais avoir besoin de l'avis de Sylvia et je vais devoir d'autres candidats également. Si Valérie Mercier peut ainsi se permettre de faire la difficile, c'est que pour ce poste, 30 jeunes se sont portés candidats, 14 vont passer un entretien. Les recruteurs peuvent donc prendre tout leur temps. Un tel entretien d'embauche est une épreuve classique dans le cadre d'un recrutement. Ce qui l'est moins, c'est une nouvelle pratique. Il y a tellement de candidats à départager aujourd'hui que certaines entreprises ont tendance à multiplier le nombre d'entretiens pour un même poste. Ce diplômé d'une école de commerce a passé 5 entretiens pour un poste chez un géant de la grande distribution, 5 aussi pour une chaîne de télévision, jusqu'à 6 pour une société de blanchisserie. Premier entretien, c'est souvent... On monte ton CV, c'est un peu les présentations, c'est très rapide, ça dure un quart d'heure, 20 minutes maximum. On a une réponse très rapidement après pour un deuxième entretien. Et c'est là où ça commence vraiment à rentrer dans le sujet. On va rencontrer le RH qui va cibler le RH. On va rencontrer un comptable qui va cibler nos compétences comptables. On va rencontrer un PDG qui va cibler nos compétences et nos envies. Les entretiens, ils se déroulent sur une seule et même journée ? Ah non, il y a en général 3 à 4 semaines entre chaque entretien. Ce marathon peut donc durer plusieurs mois. Et le pire, c'est qu'au bout du compte, les candidats n'obtiennent pas forcément de retour de la part des recruteurs. Du jour au lendemain, plus de réponse et on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'arrive pas à savoir pourquoi. C'est très rare que j'ai pu savoir pourquoi j'ai raté un entretien. J'ai beau rappeler les recruteurs, jamais ils me répondent pour me dire oui ou non, ou qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait préféré, c'est souvent ça. Si les employeurs se permettent maintenant de telles pratiques, c'est aussi parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de se tromper quand ils embauchent. Désormais, quel que soit le poste, toutes les grandes entreprises traquent le candidat idéal, en tout cas sur le papier. Elles n'hésitent plus à aller chercher des profils surdiplômés et donc bien plus qualifiés qu'auparavant. Carrefour, leader de la grande distribution, s'est lancé il y a quelques mois dans la chasse aux super diplômés. Ils recherchent leur futur directeur de supermarché. Au total, d'ici la fin de l'année, 10 postes sont à pourvoir. J'espère que de temps en temps, vous faites, ou le plus souvent possible, vos courses chez nous. Lors de cette session, 7 candidats sont réunis. L'un d'entre eux a accepté d'apparaître à visage découvert. La grande nouveauté dans ce recrutement, c'est que pour la première fois, tous sont issus des écoles françaises les plus prestigieuses.
des profils triés sur le volet. Je termine tout juste mes études à l'École centrale de Lille. Je viens de terminer le programme Master EDEC à Lille. Je viens d'être diplômé d'HEC Paris. Je viens juste d'être diplômé de l'École des mines de Paris. Ces écoles destinaient jusque-là leurs diplômés à de grandes carrières dans la banque, l'assurance, l'énergie. Aujourd'hui, pour un poste de directeur de supermarché, ils vont devoir passer toute une série d'épreuves. Gestionnaire de stock. Alors, je vais les faire rentrer. Face à eux, Carrefour a sorti l'artillerie lourde. Bonjour. Bonjour. 8 membres pour le jury, des hauts responsables du groupe. Se croirait presque au casting de la nouvelle star. Je vais faire l'appel et vous donner donc vos lieux d'entretien. Donc, le coup d'envoi de la compétition est donné. Une journée entière. Ce sera long et éprouvant, mais jusqu'ici tout va bien. Dans quel état d'esprit vous êtes sur une journée comme celle-ci ? Bah, plutôt serein, parce que l'accueil a été plutôt très cordial. Donc du coup, on y va sereinement, prêt à affronter les épreuves. Pas trop de pression ? Non, ça va, on gère. Ça va. Et on se sent un peu en compétition, les uns avec les autres ? On le sentira plus tard. Pour l'instant, on essaye de discuter ensemble. Et à la fin, on verra après, voilà. Première épreuve. Le traditionnel entretien individuel. Tous ont 1h30 pour convaincre deux jurés. C'est long et je pense qu'ils connaissent ma vie. Donc non, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que ça va vraiment dans les détails. Et juste après, deuxième épreuve. La synthèse par écrit d'un dossier complexe sur une situation pratique. C'était dur. Ouais. Je trouve que c'était dur. On avait peu de temps, beaucoup d'informations à gérer pour faire une synthèse. Enfin, c'est le but du jeu. On sent que la pression a commencé à monter un petit peu. Ouais, elle a commencé à monter un petit peu, là. Et ce n'est pas fini. C'est bien passé ? Car pour un tel recrutement, l'entreprise veut être certaine de faire le bon choix. Alors, rien n'est laissé au hasard. Quand on se met sur une période d'une journée comme celle-là, on apprend beaucoup plus de choses sur le candidat, comme lui apprend beaucoup plus de choses sur nous, sur une période d'une journée plutôt que sur une heure. Parce qu'en une heure d'entretien, eh bien, on ne voit peut-être pas tout, on va peut-être prendre un risque trop grand. Nous, entreprise, lui, candidat. Il y a donc une troisième et ultime épreuve, le jeu de rôle. Une épreuve collective redoutable, observée à la loupe par le jury. Ben en fait, on va vous écouter puisque vous avez un exercice à nous présenter, notamment aujourd'hui, donc vous êtes consultant. Ils doivent simuler une réunion comme s'ils étaient déjà en poste. Le scénario est le suivant. Leur magasin va mal, les comptes sont dans le rouge, les ventes baissent, il leur faut redresser la situation. Un délai. Il y a des choses en suspens, par exemple. Lui est responsable des procédures pour garantir la qualité. Marc Leduc, il y a vraiment deux problèmes qui s'opposent. Lui, responsable de la stratégie commerciale. Interne. Le responsable semblait un petit peu réticent puisqu'ils n'avaient pas vraiment été consultés. Elle est chargée des questions sociales. Pour moi, à mon sens. Enfin, la quatrième s'occupe des finances. Mais donc ensuite. Chacun va devoir défendre son point de vue en fonction de son rôle et tirer son épingle du jeu. Monsieur le nouveau qui remplace monsieur l'ancien. On risque d'avoir une discussion où ils vont s'opposer et ils tomberont jamais d'accord. C'est un petit peu le but. Mais à un moment donné. L'objectif principal, c'est d'arriver sur un consensus pour apporter au directeur du centre des propositions. Je vous rappelle qu'il travaille dans la même entreprise et qu'à un moment donné, il faut dépasser ses intérêts personnels pour répondre aux intérêts du groupe. Donc, on verra s'il y arrive, quoi. Voilà, normalement, c'est ce genre de situation qui peut se retrouver dans la vie professionnelle. D'accord. D'entrée de jeu, l'une des candidates va clairement se démarquer. On va faire des différents points en fait, sur lesquels j'ai mis 3 points. Sur lesquels je pense qu'il faut avoir une action. Pendant 3 quarts d'heure, c'est elle qui va mener les débats. Ça, exploitation, il y a peut-être un problème en interne, peut-être qu'ils sont mal organisés, et il suffit peut-être juste d'un process clair pour qu'ils puissent correctement s'organiser, partir à l'heure, arriver à l'heure. À chaque intervention de ses camarades, elle rebondit.
Non, non, je pense que le sprint, il faut quand même le garder, mais peut-être pas faire un sprint 2 heures, un sprint 4 heures. La jeune femme n'hésite pas à les interrompre pour se mettre encore plus en valeur. Formel et verbal, qu'on saura si... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, seulement on a oublié le point des réunions. Parce qu'on était en train de dire qu'il fallait instaurer des réunions et des entretiens, ce qui est vachement bien, l'idée me plaît beaucoup, mais peut-être finir sur ce point-là et comme ça, après, on passe à la suite pour être le plus efficace, parce qu'on aura pas assez de temps. Au moment des délibérations, le jury reconnaît avoir été totalement bluffé par sa prestation. Elle a tout de suite marqué en fait, la différence dans le groupe, peut-être même un peu trop. Elle a affiché son leadership directement, très pédagogue. Très pédagogue, ouais. dans ses expériences et dans son comportement. Très pédagogue, très didactique, oui. Dans sa manière d'exprimer les choses. Elle a un leadership naturel qui a été constaté hein, à la fois en entretien individuel qu'en collectif. À l'issue de cette journée éprouvante, la jeune femme a décroché le poste de directrice de supermarché haut la main. Elle a pris ses fonctions il y a tout juste une semaine. Récompense de ce processus très exigeant, on lui a fait signer un contrat à durée indéterminée, un CDI. Cette politique de recrutement était la norme jusqu'à la fin des années 90. Ce n'est plus du tout le cas. Le CDI est en effet devenu une denrée rare. Près des trois quarts des moins de 25 ans sont aujourd'hui embauchés en CDD. Une précarité qui les touche trois fois plus que le reste de la population active et dont ils mettront plusieurs mois, voire des années, à sortir. Dans ce cabinet de recrutement parisien, Humanessence, l'activité principale des consultants consiste à trouver au plus vite des candidats pour des entreprises qui embauchent. Mais sur les 300 offres affichées chaque mois, il y a très peu de CDI. 80% sont des CDD ou des missions d'intérim. Ouais, intérim qui peut, pourquoi pas, déboucher sur quelque chose derrière, mais ils cherchent quelqu'un qui soit énergique. Et depuis quelques temps, les consultants font face à un nouveau phénomène. Le découragement des jeunes diplômés face à cette précarité grandissante. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? C'est le cas de ce candidat âgé de 27 ans. Depuis la fin de ses études, il travaille, certes, mais jamais dans la même entreprise. Il change d'employeur tous les 5-6 mois. Il voudrait enfin sortir de cette spirale. Le découragement aidant, on a tendance à moins rechercher, à moins un petit peu baisser les bras. Et voilà. Voilà, si vous pouviez me remettre sur les rails, sur le marché. Voilà. Le consultant doit donc commencer par remonter le moral de ce candidat. Donc, il va lui prodiguer ses petits conseils d'amis. C'est comment chercher un travail. D'accord. Ça, c'est le premier plan d'action. Organisez votre journée de recherche comme une journée de travail. D'accord. Ouais. Donc le matin, on essaie de se lever pas trop tard, on est à 7, 8 heures. On peut même se mettre en costume. On se met en chemise pour être prêt, pour partir pour un entretien. La séance coaching se poursuit avec quelques recommandations pour ses prochains entretiens. Sauf que là aussi, le jeune homme en a tellement passé qu'il est totalement désabusé. Je vois des questions. Quelles sont vos plus belles victoires? Si vous n'avez pas eu de victoire récente... Mais quand on a travaillé dans des milieux type administratif, on peut pas appeler ça des belles victoires. D'avoir rangé des choses ou d'avoir demandé à des gens de payer leurs factures, ce n'est pas des belles victoires. N'hésitez pas. Et il n'est pas au bout de ses désillusions. Car malgré son air jovial, le consultant n'a en fait rien de mieux à lui proposer que ce qu'il affiche déjà sur son CV. Des contrats de quelques mois, précaires, là encore. La boucle est bouclée. La difficulté, c'est de décrocher le CDI. Puisque dans le CDI, il y a quand même un engagement long terme de la société qui sont assez frileuses. Alors pourquoi? Parce que 2008-2009, il y a eu une période de crise. Le CDI, oui, c'est le Saint Graal, en fait, on va dire, pour les jeunes diplômés. Pour les jeunes, en effet, le CDI est aujourd'hui perçu comme le Graal, car seul garant d'une sécurité d'emploi et d'un accès plus facile au logement. Les entreprises, en revanche, le considèrent comme un engagement risqué. Alors, avant de recruter en CDI,
Elles utilisent désormais d'autres sortes de contrats pour mettre à l'essai les candidats. Pendant notre enquête, nous avons découvert des annonces à l'intitulé surprenant sur des sites d'offres d'emploi. Sur Pôle emploi, par exemple, certaines offres sont très alléchantes. Dans la description du poste figure cette précision. CDD pouvant déboucher sur un CDI. Nous avons appelé un conseiller pour savoir ce que cela signifie. Ça signifie qu'en fait, l'employeur certainement se sert du CDD comme sorte de période d'essai et que derrière, il y a, il y a certainement un CDI qui est prévu si effectivement la personne fait l'affaire. Après, rien de choquant dans le fait de proposer un CDD. Mais le problème, c'est que là, il sert à évaluer un nouveau salarié avant d'éventuellement l'embaucher en CDI. Cette pratique devient d'ailleurs courante et touche de plus en plus de métiers. Dans le domaine de la santé ou les fonctions commerciales, par exemple. Ce que confirment d'ailleurs les recruteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, quand on précise CDD pouvant déboucher sur CDI? C'est pour faire ses preuves, en fait, c'est simplement ça. Ça serait trop facile si ça serait un CDI tout de suite. Hein. Une sorte de période où on a le temps de former la personne. Une période probatoire, une période de test. Il y a juste un hic, cette pratique est illégale. Maître Florent Henquin est spécialiste en droit social. Un quart de ces dossiers concerne des abus de CDD. Et selon lui, le Code du travail définit clairement les conditions légales du recours à ce contrat. Le cadre légal du CDD, de l'emploi précaire, est extrêmement strict. C'est le cadre légal d'un contrat d'exception, hein, qui n'a pas vocation à être la norme. L'article 1242 du Code du travail précise bien qu'un CDD ne peut être utilisé par les employeurs que dans quelques situations très particulières. Principalement, le remplacement d'un salarié ou en cas d'accroissement temporaire d'activité. On en est loin avec nos CDD, utilisés comme moyen de mettre à l'épreuve le jeune embauché. Il est clair que quand on fait ce type de proposition à un jeune diplômé, cette proposition est illégale. Ce n'est pas du tout prévu dans le Code du travail que l'on puisse se servir du CDD comme période probatoire. Pour les entreprises, cette pratique n'est pas sans risque. Le salarié peut en effet tenter d'obtenir la requalification de son contrat en un CDI, ainsi que des dommages et intérêts. Mais très peu de jeunes diplômés osent engager une telle procédure.